beaucoup de gens font, j'imagine, et j'espère. Vous avez vos daily. Alors, j'ai fait quelques petits combats, donc on va les prendre. Moi, je fais toujours... Let's go, baby! Dans cette vidéo, les gars, il y a un méga concours pour gagner pas un exclusif, pas deux exclusifs, mais trois exclusifs. C'est un abonné qui me les avait donnés dans ma boîte mail et il m'a dit « Tiens, fais-les gagner aux abonnés ». D'ailleurs, il m'en a même donné un quatrième, je crois. Mais si ça te dérange pas, je vais en garder un pour ma petite collection. Et pour participer, les gars, c'est très simple, vous mettez juste votre pseudo. Puisque ce n'est pas un huge, il n'y a pas de message secret. Mais je vous rappelle qu'il y a plein de huge Prison Cat à gagner. Donc rejoignez le Discord et regardez bien la vidéo. Bonne chance! Dans la dernière vidéo, il y avait un huge à gagner. Oui, oui, vous rêvez pas, il y avait un huge. Je vais vous montrer où est le timecode. Je crois que c'était à peu près par là. Et le message caché, les gars, il était à 21 minutes 14. Il y avait marqué « Message secret 2 points ». Il faut mettre deux emojis et trois fois la lettre Y. Et donc, parmi tous les commentaires, on va tirer le vainqueur du huge. Donc c'est parti, on rentre l'URL de la vidéo YouTube, on fait « Select random comment » et... Salut! Mon pseudo c'est Moulou21, mais tu vas racheter des IPEG ou pas? Et combien de IPEG tu rachèteras? Moi j'en ai 21 de IPEG. Ok les gars, eh bien il a mis deux emojis, très bien. Et il a mis combien de Y? Un Y ici, un Y ici et un Y ici. Ça fait donc 3 Y. Bien joué à toi Moulou, tu as trouvé le message secret. Donc c'est parti, on est directement en jeu et on va envoyer le huge de fou à Moulou. On vérifie que ça soit bien son skin. Et donc c'est parti pour lui envoyer le huge. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de huge Prison Cat les gars, sachez qu'ils seront tous à gagner pour vous dans la vidéo qui sort samedi prochain. Et rejoignez le Discord pour avoir toutes les informations pour gagner tous les huge prison. Donc c'est parti, on sélectionne le huge. GG, tu as gagné le huge. Hop, envoyé. Oui, oui, envoyé. Et... Tadam, méga cadeau envoyé. Ok les gars, dans l'avant-dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, j'avais demandé que si vous trouviez combien de fois j'étais tombé dans les escaliers dans la prison, je vous offrais un petit exclusif. Et donc, j'ai décidé de l'envoyer à Lapinous qui avait compté combien de fois j'étais tombé. Donc c'est parti, on va lui envoyer un petit cadeau. Et donc je vais lui envoyer l'un de mes pets les plus chers. 2 600 000, c'est franchement pas mal. Donc c'est parti, tiens, cadeau BG, merci d'avoir compté. Hop, envoyé, oui. Et tadam, cadeau envoyé. Parti. Je dis, si on a le chat, je pense que je les vends tous. Si j'ai directement le chat à 50%, je vends tous les autres, ok? Donc faut que t'aies honte. Si j'ai... Vas-y, aide-moi à appuyer, t'es prêt? Vas-y, go, go, go. Ok, le dog, ok. Ok. C'est okay. Bien. Bah c'est le deuxième pire. Ça va, regarde. 30%, ça va, ça va, ça va. Du coup, tu l'équipes pas? Ah, si, l'équipe déjà. C'est automatique. Fais voir comment il est. En vrai, il est drôle. Ok, ok, on continue. En gros, ça m'aurait juste fait chier d'avoir le chat en double. Donc là, si on a maintenant le chat, c'est pas grave. Et si on a plus bas... Et si t'as un dog encore? Bah je pleure. Vas-y t'es prêt, let's go. Vas-y spam. Ah voilà, c'était sûr. Toujours un en plus. Ouais, hein. Au moins je l'ai pas mais bon. Ah non, faudrait avoir un que t'as pas. Non mais je vois plus là. Je vais aller le vendre. Je pense. Bah ouais. Ça sert à rien, je vais avoir un que j'ai déjà. C'est plus sa mère. Allez, je vais aller le vendre. Ça va, au moins on a eu le moche. Ok les gars, c'est parti pour s'ouvrir plein de clés. C'est un peu la partie 2. Donc j'en ai 539 pour l'instant. On verra si j'en aurai d'autres plus tard. En tout cas, let's go, c'est parti. On va s'en ouvrir plein. Et puis on espère avoir, comme d'habitude, le huge. Alors je sais pas si on peut... Oh, il y a une quest. J'ai fait une quest, trop stylé. Du coup, je sais pas si on peut l'avoir dans cet endroit, le huge. Je pense que oui, parce que dans la partie 1, il n'y a personne qui m'a dit on peut pas avoir le huge dans le tri et tout, dans l'arbre en français. Et du coup, je me dis que du coup, bah on peut l'avoir le huge. Par contre, c'est un peu bugué comme d'hab. Et du coup, bah bonne chance les gars. On va s'ouvrir 500 clés, ça va être très long. Et puis, bonne chance. Ouais, c'est un peu galère à rentrer dedans par contre. Mais si c'est bugué comme d'habitude, c'est trop chiant. J'espère que c'est pas trop bugué. Oh, Lightning Charm. Ok, pas dégueu. Hop. On continue, des petits livres éclatés. Aïe aïe aïe, je crois que le huge il a une chance sur 16 000 et quelques, je suis pas sûr. Attends, je vais vérifier. Bon, déjà, très bien que je puisse rentrer dedans, merci. Alors bougez pas, je vérifie les gars. Attends, d'abord on va récupérer ça. Et ensuite je vais revérifier, hop.
Bougez pas. Et c'est une chance sur 29 000. 29 000, c'est beaucoup en vrai. Et vu que j'ai 500 clés, ça serait une chance sur combien? Bon, en vrai, ça veut rien dire. Mais bon, c'est possible en vrai. Franchement, c'est possible, faut y croire. Et en plus, ça va monter mes key mastery. Donc bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. On monte mes mastery et en même temps, je monte ma chance. D'ailleurs, je vais mettre, vous savez quoi? Hop, mes enchantes Treasure Hunter. Pas sûr que ça change grand-chose, mais bon, on sait jamais. Ok, un Daycare Slot Witcher, pourquoi pas. Ça se vend tellement pas cher, parce qu'en fait, je crois, les gens, ils ont tous la Daycare niveau max. Allez, rentre là-dedans. Purée, ça va être impossible. Hop, on continue et hop. Est-ce que si j'attends comme ça, ça marche ou pas, vous pensez? Ah ouais, pas besoin de reculer en fait. Juste vous rentrez dedans et on force bien. Et du coup les gars, je crois que vous avez plus de chances d'avoir le huge dans le mini-jeu des trois coffres. Mais le problème c'est que, imagine, t'as le huge dans le mini-jeu des trois coffres et genre, enfin tu vas être dégoûté. Parce que en gros, comme il y a trois coffres, si tu prends le mauvais coffre et qu'il y a un huge dans l'autre coffre d'à côté, t'es dégoûté. Alors que là, bah, ce qui est bien avec ce mini-jeu, c'est que justement, t'as trois récompenses, mais tu peux choisir entre les trois. Alors que le coffre, tu peux pas choisir, c'est aléatoire. Et donc si tu vois le huge, mec, tu pleures je pense. Tu dois être dégoûté. Ok, bref, c'est parti, on continue. Purée, mec, j'espère vraiment qu'on va l'avoir. J'ai économisé des clés depuis tellement longtemps. C'est bugué là. Pourquoi c'est bugué? Ok, je sais pas. T'imagines, t'as le huge et c'est bugué comme ça? Et tu veux pas récupérer la récompense? Je pense que je pleure. T'imagines, tu vois le huge et il est bugué. Et tu peux pas prendre la récompense. Mais je crois que ça va. Tant que tu prends pas la récompense, normalement tu peux. Ça va. Ok, on continue. Allez. Bon, pour l'instant, on a que du caca. Que des petits caca. Économie level 89. Ok, pourquoi pas. Key Mastery, niveau 42. Pourquoi pas. C'est cool. Je me demande s'il est rare ou pas, ce huge. Je crois qu'il est plutôt rare, en vrai. Je crois qu'il y a plein de gens qui le veulent. En plus, il est mignon. C'est un petit axolot. Allez, on continue. Ok, un livre. Ah, c'est encore buggé, mec. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment abusé. Toujours, c'est buggé comme ça, là. Bon, est-ce que les gars, j'ouvre les clés de mon côté et puis je vous montrerai les meilleures réactions? Ou alors, j'ouvre tout en vidéo et on fait une vidéo de 50 minutes. En vrai, je sais pas. On verra. Pour l'instant, que du caca. Ah, purée de pommes de terre. Des petits livres, ok. Je me demande c'est quoi qui vaut plus cher entre les bottes et les petits caca là. Les petits caca arc-en-ciel. Eh ben, on ne sera pas puisque je n'ai toujours pas de bottes. Allez hop. On continue. Est-ce que là je peux avoir une botte? Ah oui. Ok, donc 100 contre 300. Les petits caca arc-en-ciel, ils sont plus chers. Heureusement, t'imagines, ça serait les bottes qui sont plus chères. Ce serait un peu nul. Ok, des cadeaux, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, on n'est pas rentable de ouf, puisqu'on a que du caca moche. Ok. Quand on a des clés, en vrai, ça rembourse presque. Ça va. Même si je crois que les clés secrètes, elles sont un peu plus chères. Oh, nice. Trop bien. Trop bien. Treasure Hunter 5. Je vais me l'équiper direct. Et on va regarder le prix des clés. Les clés, c'est 50 000. Ah ouais, c'est cher. What the fuck. Et du coup, attendez, on va s'équiper. Hop, le livre comme ça. Et puis on n'a rien eu dans l'œuf. Dommage. J'ai ouvert un petit iPeg, les gars. Je me suis dit, on sait jamais. Ceux qui ont vu la vidéo, vous savez. Ok, on continue. Key Mastery 43. Ça avance. On se fait plaisir. Et du coup, les clés, bah c'est pas très rentable en fait. Parce que vu que ça coûte 50 000, les clés secrètes, je me demande pourquoi elles coûtent aussi cher, les clés secrètes. C'est un peu bizarre. Sûrement grâce aux clés cristal, on peut les transférer, vous savez, dans un mini-jeu. Et si t'en as 10, c'est rentable de ouf. Oh, stylé. Il y a une porte devant moi, on croit au poisson. Ok, bah bonne chance à lui, hein. On va dire good luck. Ok, un petit caca arc-en-ciel. On continue. Merde. Hop. Allez. Là, les gars, je suis en train de faire... Enfin, d'ouvrir plein de mini-jeux pour avoir un huge. Je suis en train de faire tout ce que je peux. J'ouvre toutes les clés que j'ai, tous les trucs que j'ai, etc. Pour essayer. Oh, mais non. Overload charme. Mais non. 7 millions de gemmes. Attends, mais je crois que je l'ai jamais eu, ce charme-ci. Ah, je crois que si, je l'ai eu une fois. Il y a un abonné, je crois, qui me l'avait échangé. Trop bien. D'ailleurs, attendez. On va mettre ça. Boum. Le petit charme. Oh, trop bien. Bon, bah, les gars, GG. On est déjà rentable. 7 millions. Un petit overload charme. Ça me régale. Mais vous savez quoi, les gars? Sur ce joli overload charme, ce qu'on va faire, c'est que je vais AFK et je vais faire ça à l'infini. Je vais faire ça à l'infini. Et puis, je vous retrouve juste après. Si je pack des charmes de ouf. Ou alors même le huge, incroyable. Mais le dernier, on le fait ensemble. On le fait ensemble et il n'y a rien eu. I know what to do, brothers. Donc, this is a story about a man named Jonathan with an... Sérieusement, il a sport lui. C'est un malade. Allez, une attaque feu. Yo les gars, c'est Nancy, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire plein de choses dans cette vidéo. Mais on va commencer directement
pour hatcher le petit axolote. Il y a quand même Speed, les gars, un de mes modérateurs sur Discord, qui a eu l'axolote en 13 tickets. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre 13 tickets, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, les gars, mais la roue était buggée. Il y avait des 69 partout. En gros, il y avait littéralement écrit 69 à chaque fois, tu vois. 69, 69, 69. Enfin bref, c'était un peu bizarre, n'hésitez pas à aller regarder. Et du coup, les gars, il y a deux techniques pour avoir le huge. En gros, la première, c'est de tourner la roue comme ça. Attention, c'est parti. Et dommage. Et du coup, quand vous allez tourner la roue, elle va se reset. Mais le problème, les gars, c'est qu'en faisant ça, vous perdez un ticket. Et un ticket, ça vaut quand même, attention, 42 000. Donc c'est plutôt quand même cher, hein, surtout si vous en avez beaucoup. Donc c'est un peu une perte d'argent. Sinon la deuxième solution, regardez bien. Là vous voyez qu'on a un mini chest à 0,1. Ok, on va changer dans un trading plaza. Et en changeant de serveur, tout simplement, vous allez voir, il va y avoir une nouvelle roue. Donc ça c'est une technique plutôt cool, les gars. Mais le problème c'est que la technique est vraiment longue. C'est même pas une blague, je vous promets. La technique elle est très très longue. D'ailleurs on va récupérer un petit peu des récompenses gratos. Wali walou, boum. Ça les gars c'est gratos. Et du coup c'est parti, on retourne là-bas. Et là vous allez voir que ça ne sera plus un mini coffre, mais ça sera autre chose. Mais le problème c'est que cette technique les gars elle est très très longue. Elle est très 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 longue. Et une fois j'ai déjà mis une heure en faisant que de changer de serveur. Et les gars, une heure après j'ai enfin vu le huge sur la roue, mais c'est très long. Et du coup là comme vous le voyez c'est la TNT shower. Mais ça m'a mis quand même genre, ça m'a mis 30 secondes au moins. 30 secondes juste pour changer la roue. Surtout que c'est pas garanti qu'en rechangeant de serveur vous allez avoir le huge. Il va falloir attendre longtemps parce qu'il y a plein de récompenses à 0,1. Alors que juste en tournant la roue, regardez, hop, voilà, ça a changé en une seconde. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça qu'on va faire les gars. J'ai la flemme de changer de serveur à l'infini, c'est trop trop long. Mais du coup le problème c'est que les gars, si jamais on a un item à 0,1% et que c'est pas le huge, on va être un peu dégoûté. Parce que vous avez peut-être vu mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait ce concept sur la roue des tickets les gars. Je le referai d'ailleurs, j'ai pas mal de tickets. Et j'avais aussi fait sur le spinny wheel ticket du monde 2, du Tech World. Et malheureusement, j'avais pas eu les huge parce que c'est vraiment trop dur. Par contre, j'avais eu beaucoup d'items à 0,1%. Et du coup, bah, je suis dégoûté vu que ça c'était pas le huge. Donc aujourd'hui, ça va peut-être arriver la même chose, on verra. Par contre, le tech key, les gars. Enfin, le void key. Et bah, je les ai tous, les huge, regardez. Je vais vous montrer. Donc on a celui-là. On a aussi, il est où? Celui-là. Et on a celui-là. Et les gars, regardez, les trois là, c'est moi qui les ai packés. C'est incroyable en vrai. C'est incroyable. C'est-à-dire que les trois coffres, je les ai packés, les gars. Mais c'est dommage parce que les tickets, je les ai jamais packés. Mais bref, c'est parti. Bonne chance. On va essayer de tout ouvrir à la main, les gars. Et puis si jamais vous entendez un bruit qui fait un peu genre tiring, 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 comme un jackpot, vous voyez, ça veut dire qu'on a un item à 0,1%. On espère vraiment que ça sera le huge parce que j'ai pas envie d'avoir un item pourri. Surtout des enchantes pourries, des potions pourries ou des ultimates pourries. Tu regardes, là il vaut 900 000. C'est quoi cet ultimate, frère? L'ultimate il vaut 900 000. Ok, on continue. D'ailleurs, les tickets, j'en ai fermé pas mal. Mais il y en a aussi, la plupart, c'est vous qui me les avez donnés. Il y a des abonnés qui me donnaient des fois 2 ou 3 tickets, les gars. 2-3 tickets par-ci par-là, c'est pas mal. Et je crois que Speed et Meg, ils m'ont donné genre une centaine chacun. Donc ça régale. Mais bon, vous voyez que ça descend très vite. Ok, on continue. Ah, j'ai raté. Du coup, la technique, bien sûr, les gars, c'est de ne pas tourner la roue. Parce que si on laisse tourner la roue comme ça, vous voyez, c'est super long. Et puis, ça sert un peu à rien. Mais par contre, si jamais on voit le huge sur la roue, là, on s'arrête et on tourne la roue. Donc voilà. Ok, on continue. À la limite, si on a un truc à 0,1%, j'aimerais bien un bon item en vrai. Je sais pas qu'est-ce qui est bien. Ça c'est nul, ça c'est nul. Ouais, en vrai, il y a que des trucs nuls, les gars. Je suis dégoûté. Je pense que le pire, c'est si vous avez le livre fortune. Je pense que vous êtes triste. Je pense que vous êtes très triste. Ok, on continue. D'ailleurs, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Je sais plus. J'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, les frères. Ah, tornade, attendez, il vaut combien la tornade? Il vaut 10 millions. Ouais, c'est mieux que rien, mais c'est pas ouf non plus. Ok, on continue. Du coup, j'ai vraiment oublié ce que je voulais dire. Ah, celui-là, il vaut combien? Fais voir. Il vaut 3 millions. Ouais, c'est nul, c'est nul. Ok, on continue, on continue. En attendant, faut que je me rappelle de ce que je voulais dire parce que ma mémoire me joue défaut. Ok, toujours pas, c'est claqué. Ouais, frère, c'est trop nul. Oh, les gars, c'est la vidéo la plus scandaleuse. Attendez, après, on est même pas encore à la moitié. Pourquoi je me plains? Arrête de te plaindre.
D'ailleurs, attendez, j'en ai marre de cliquer, on va faire une technique secrète. Ok les gars, c'est parti, technique secrète, let's go. Alors là, les gars, ça va enchaîner, vous inquiétez même pas. La technique secrète, la meilleure technique de l'année. Regardez bien comment c'est rapide. Boum, boum, boum. Et là, on pourrait croire que c'est moi qui clique. Mais évidemment, c'est moi qui clique. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai mis un truc spécial pour cliquer automatiquement? Non, je suis pas un filou comme ça, les gars. Quand même. On n'a pas du tout triché. Ok, on continue, on continue. Pour l'instant, il y a vraiment... Oh, l'axolot! Oh non! Je voulais arrêter la roue, mais j'ai pas réussi. Mon doigt, il était trop rapide. J'ai pas eu le temps d'arrêter. Bon, si je vois l'axolot sur la roue, les gars, je m'arrête. Et puis comme ça, on va essayer de spin ensemble. Par contre, vous voyez, les gars, on a aucun axolot. Oh non, stop! Ok, attention. Nul, nul, nul. On a vraiment aucun axolot pour l'instant. C'est éclaté. Frère, le pire, c'est qu'il y en a même pas sur la roue. 0,1% de chance, ça fait combien? Ça fait une chance sur 1000, les gars. Une chance sur 1000, franchement, ça va. Franchement, ça va. Ceux qui jouent à Pokémon, les gars, pour avoir un shiny, c'est une chance sur 4000. Une chance sur 4000, c'est cool. Et des fois, vous avez des shiny, il y en a une chance sur 4000. Alors, imaginez là, une chance sur 1000, on l'a pas. Une chance sur 1000, c'est aise en vrai. Les gars, je vous jure, une chance sur 1000, c'est aise. Ça veut dire que t'achètes à peu près 1000 tickets et t'es censé avoir au moins un petit item ou deux. Donc ça va en vrai. Mais bon, nous ce qu'on veut, c'est pas un item à 1000, c'est l'axolot. On veut l'axolot. Les autres items, on s'en fout un petit peu en vrai de vrai. Oh la vague, il y avait la vague. Elle vaut cher ou pas l'ultimate de la vague? Vous savez quoi les gars? Dites-moi dans les commentaires, elle vaut combien? Dites-moi l'ultimate vague, ça vaut combien de diamants s'il vous plaît? Ok, on continue. Nul, toujours nul. Est-ce qu'on aura au moins un item à 0,1% pour qu'on ait un peu le seum, vous voyez? Non. Oh, l'axolot. Ah bah merde. J'ai pas réussi à stopper la rapidité du truc. J'ai pas réussi. Il y avait un axolot, mais c'est trop rapide. C'est trop rapide, les gars. Ok. Ah, stop. Ok. Non, dommage. Attendez, vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi, le prochain axolot sur la roue? Venez, on fait une fausse réaction pour avoir une jolie intro sur YouTube. Oh non! Vous avez entendu? Vous avez entendu? Non! On a eu des potions éclatées, frère. On en a eu même pas 3 en plus, je crois. Genre, ça vaut même pas 100 000 diamants, c'est de la merde. Oh non, je suis dégoûté. Je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit, c'est trop facile d'avoir un item à 0,1%. Le problème, c'est que quand c'est pas le huge, t'as trop le seum. Là, les gars, vous savez que ça aurait pu être le huge, les gars. Vous savez que si j'aurais fait la technique, les gars, j'aurais eu le huge. Si j'aurais fait la technique, j'aurais eu le huge. Bon, désolé si vous entendez mon chien gueuler, les gars. Mon chien, c'est un psychopathe, vous inquiétez pas. Il fait que de gueuler toute la journée. Ok, on continue. Frère, mon chien, les gars, non, vraiment. Mon chien, il entend une souris dans la rue. Non, les gars, c'est trop une dinguerie, ça me casse les couilles. Frère, mon chien, il est trop chiant. Les gars, je vous promets. Là, j'ai dû me mute carrément. Non. En fait, il entend juste une fourmi qui se balade dans la rue, les gars. Et il aboie comme si c'était la mort assurée, frère. C'est trop. Moi, les gars, j'appelle pas ça un chien de garde. Un chien de garde, c'est pas ça. Là, c'est un chien autiste, là. Je vous promets. Il entend un petit bruit et il gueule partout. Non, c'est trop. C'est trop. Ça y est, je suis déprimé maintenant. Bon, c'est pas grave. Vous me direz si ça vous a dérangé ou pas, mais c'est pas grave. Un petit aboiement, les gars, ça va pas vous tuer. Bon, on parle, mais depuis tout à l'heure, on a plus de tickets, les gars. C'est un peu la merde. Non, mec, j'ai plus de tickets, je suis dégoûté. Oh, l'axolot, s'il te plaît. Nikta, pardon. Faut que je me calme, j'allais insulter tout le monde là. Ok, on continue, toujours rien, c'est éclaté, toujours rien. Bon bah les gars, on a ouvert tous les tickets, on n'a rien eu. J'aurais dû faire la technique de changer de serveur, mais bon. Oh, et eh ben non. Dommage, il y avait l'axolot. En plus, j'ai même pas fait la fausse réaction pour l'intro. J'ai oublié de faire la fausse réaction pour l'intro YouTube. Dommage. Moi, c'est éclaté, les gars. C'est éclaté. N'ouvrez jamais la roue, les gars. Genre, vraiment, vendez vos tickets, c'est plus rentable.
Alors que les coffres, faites-les en vrai, mais ça, non, non, éclaté. Ok, pendant qu'on y est, les gars, je vais aussi ouvrir toutes mes void keys, pourquoi pas. J'ai déjà eu Luge, certes, mais maintenant, avec la nouvelle mise à jour, on peut avoir tous les Luge des coffres, les gars, en doré et en arc-en-ciel. Et moi, pour ceux qui le savent, eh bien, je les ai eu en normal, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les Luge des coffres en doré et en arc-en-ciel. Du coup, moi, je les ai tous en normal. Du coup, pourquoi pas essayer de s'ouvrir quelques clés en plus et pourquoi pas avoir un joli huge. Attention, il m'en reste plus beaucoup par contre, mais je crois que dans les autres mondes, il m'en reste pas mal. On est avec des petits abonnés là, il y a Nolan et Baba, les BG, ils sont juste là. Et puis moi, j'ouvre mes clés. Il m'en reste combien? Attention, il m'en reste 9 et après, on en a pas mal sur les autres coffres. On ira faire les autres coffres juste après, vous inquiétez pas. Ok, on continue. Allez. En vrai, on sait jamais, les gars. J'ai tellement... Oh, ça aussi, je le veux. Le chest spell. Ok. Nul. Continue. Allez, s'il vous plaît. Un bon truc. Allez, un bon truc. Ok. Nul. Attendez, par contre, Baba, il m'a dit qu'il voulait me donner 100 clés. S'il veut vraiment me donner 100 clés, alors là, c'est le goat, quand même. Parce que 100 clés, c'est beaucoup. 100 clés, ça fait pas mal. Ah mais il en a pile 100 en plus, je vais dire merci. Mais il est trop gentil. En plus il y a les tickets, on va pouvoir continuer les tickets. Mais il m'a donné tout son stuff ou quoi? Il m'a donné tout son stuff. Et des gemmes en plus. Mais il est trop gentil. Il est fou. Il m'a donné 1 milliard de trucs. Ok bah stylé. Ok les gars, je viens de finir d'ouvrir tous mes tickets du monde technologique, j'en avais énormément et je n'ai pas eu le huge malheureusement dans le monde technologique. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tous mes tickets du monde 1, mais je vais pas vous enregistrer parce que ça va être trop long. Donc je vais ouvrir les 500 tickets tout seul et puis je vous mettrai uniquement ma réaction si j'ai le huge. J'espère que je vais l'avoir parce que 500 tickets c'est quand même beaucoup. Bon bah les gars, j'ai ouvert tous les tickets des trois mondes vraiment, donc regardez, tararalilou. Voilà, il n'y a aucun ticket les gars, j'ai tout ouvert dans les trois mondes et j'ai eu 0 huge. Je vous promets que je vous l'ai dit en plus, les huge des roues les gars, c'est les plus durs à avoir. Mais maintenant les gars, il nous reste 1 milliard de clés de tous les mondes. Donc on va aller se faire quelques clés et puis bonne chance. Mais avant les gars, je viens de recevoir mon cadeau du clan parce qu'on est top 500 et c'est parti pour se l'ouvrir. Si on a le huge, je pense que je crie tout très très fort. Et bah gros flop. Moi les gars, on va commencer pour le huge juste là des clés. Déjà c'est simple hein, comme beaucoup de gens font j'imagine et j'espère. Vous avez vos daily. Alors je me suis déjà fait quelques petits combats. Donc on va les prendre. Let's go. Moi je fais toujours ma quête quotidienne parce que... Let's go baby. Mais non. Mais non. Incroyable. Incroyable. Let's go. Trop bien.